Bonjour tout le monde, comme c'est donc voilà aujourd'hui, rapidement, petit débrief du match d'hier contre les Brestois. Et honnêtement, moi je suis content de la prestation de l'OM. Non, parce que tu entends beaucoup de gens, je sais pas si c'est footix, des rageux, des jaloux, ils sont là. Ouais, mais franchement, 3-2 contre Brest, ah, bravo les gars, ah, bravo, ouais, avec ça, vous voulez aller en Champions League. Mais frérot, calme-toi, c'est le premier match. Il te manque des paillettes d'Alvaro, qui sont quand même des joueurs cadres, et j'irais même des rongiers. C'est un Tovin qui revient, ça fait 8 ans qu'il est blessé, il revient, t'as mis un but, deux passes D, t'as une charnière centrale inédite en Ligue 1, t'as Tatsar Banerji, t'as Tatsar qui met une doublée, et tu me dis, ouais mais bon quand même quoi, tu crois que tu allais gagner quoi, 5-0, avec une triplée de Pipa, c'est très bien pour un premier match à l'extérieur, c'est très bien, tu as fait le taf, tu as ramené 3 points. Tu as pris deux buts, bah les couilles, tu en as marqué trois, ça fait quoi? Ouais, mais t'as souffert, et alors? Tu crois que tous les matchs, tu vas te promener? Y a pas des matchs où Paris, Lyon, Lille, ils souffrent? C'est très bien, voilà, moi je suis franchement, je suis content. Si tu m'avais dit avant qu'on allait prendre trois points dans la douleur et qu'on allait prendre deux buts, c'est pas grave, gros. Honnêtement, j'aurais signé de suite. Alors après, tu as certains joueurs qui se sont démarqués par rapport à d'autres. Moi, par exemple, lui hier qui m'a vraiment dégoûté, mais quand je dis m'a dégoûté, c'est. M'a dégoûté, oh! C'est Radonjić, oh! Radonjić, 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 dis-le comme tu veux! Mais il a été dégueulasse hier, oh. Qu'est-ce qu'on aurait dit à U13 qui jouait? Tête baissée, il courait! Le Radonjić d'il y a 2 ans! Autant l'année dernière, il a fait des bons matchs, il a fait un peu plaisir! Je m'étais dit, ah, cette année, regarde, il vient d'entrer l'attaque championnat, il a dû faire une bonne prépa, il est titulaire, ça va le chauffer, ça va chauffer mon vieil, ça va chauffer, ça nous a chauffé à nous. Oh, 2-3 fois, il avait le ballon, il le crochet, on le crochet, on le crochet, lâche ta balle un peu. Le problème, c'est que lui, dans sa tête, il se prend pour CR7. Mais dans tes jambes, frérot, tu es un R7. Non, mais ne l'oublie pas, ça. Je veux bien que tu te chauffes, tu regardes les matchs du champion à la télé, mais quand tu joues, tu es pas à la télé, frère, tu es sur le terrain. Arrête d'inventer. Non, parce qu'en plus, il a des bons côtés, il va vite, ça peut être un atout. Mais là, frère, là, c'est un atout, c'est un rien. Ah non, là, c'est un bon rien. Honnêtement, voilà, lui m'a gonflé. Après, sinon, franchement, ça va, Balerdi, bon. Match un peu compliqué, mais ça va. Franchement, je pense qu'en troisième défenseur central, il fera largement le taf. Honnêtement, Tatsar, il a fait une très bonne match, Tovin, il fait plaisir, Pipa, ça va. Doucement, mais ça va. Il a eu une ou deux occasions qu'il aurait pu mettre au fond. Le gardien, il les a sortis, Nicky Larsonneur. Non, franchement, bon match. Moi, je suis content. Voilà, j'ai un critique, moi, je suis content. Voilà, bravo à vous, les gars. Après, en face, il n'y avait pas non plus, oui, il y avait Charbonnier, frère. Le con de sa tête, on dirait une DJ-jockey, on dirait. Il a pas une tête de DJ, lui, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Il fait 2m45, le Giroud blond. Ma foi, il était meilleur, ce cousin. Tu te rappelles, Lionel, le gardien? Hein? Ouais, tu t'en rappelles, gros, si tu es un ancien. Eh, si tu es né il y a un quart d'heure, tu sais pas qui c'est. Mais bon, nous, on sait. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Premier match de la saison, tu prends 3 points, ton 20 homme du match, régalade. Eh, allez, viens à la maison maintenant. Viens à la maison, gars, qu'on se mette un peu bien. Retour de Payet, retour d'Alvaro, qu'on voit un peu ce qu'elle va donner cette équipe. Après, c'est vrai que je rejoins certaines personnes avec cette compo et surtout avec des mecs comme Valère Germain. En Ligue des Champions, ça va être compliqué. Il va falloir obligatoirement recruter au moins un attaquant. Voilà. Tu peux pas prétendre à faire une belle prestation en C1 avec Valère Germain sur le banc. Non. Voilà. J'ai rien contre lui. C'est certainement un bon gars. Il n'y a pas de souci. Mais frérot, déjà Pipa, c'est un petit peu juste sur la scène européenne. Si Pipa est derrière, tu fais rentrer Germain, tu fais peur à des gueux, frère. Tu fais peur à des gueux. Voilà, donc recrute-moi vite un attaquant. Hein? Tu me fais plaisir à ma vie, bon retour. Sakai, bon retour. Au milieu, Camara, toujours bien. Sanson, pas mal. Strootman, il a fait le taf. Non, franchement, les gars, un bon match. Encourageant. Ça fait plaisir. Hein? Allez, je te fais une bise. Femme-la, ciao, ciao. Attends pour moi. J'ai failli oublier de parler de l'arbitrage. Donc, la vidéo, elle est finie. Mais je te fais une parenthèse arbitrage, gros. Qu'est-ce que c'est encore? Ça y est, ça commence. Premier match de la saison, se fait violer d'entrée. Non mais là ça va qu'on a gagné. Mais si tu gagnes pas hier, parce qu'il t'a pas sifflé penalty, Jean-Luc Delerue là qu'à chaque fois il nous nique, c'est pareil. Et ne commencez pas à m'expliquer qu'il n'y a pas même parce que tu comprends la trajectoire du ballon par rapport à la course du joueur. Mais en fait il a voulu lever la main pour l'éviter. Je veux rien savoir.
Il avait la main, il prend le ballon comme ça. Il y a penalty. Point barre. Ou alors tu siffles plus jamais penalty. Et le pire, c'est qu'il a la VAR. Et dans la VAR, ils ont dû dire, ouais non, c'est pas intentionnel, ouais. Non, c'est pas intentionnel. Va te faire acculer, il y avait 5 fois, mais c'est pas compliqué. Si c'est lui, il y a main. Voilà. Donc, ne commencez pas à nous prendre pour des cons, s'il vous plaît. Les cartons, ça va les cartons? C'est quoi? Tu as pris un forfait, une faute de carton? À peine tu touches un joueur, tu prenais un carton. Eux, combien de fois ils ont tiré les maillots, ils ont ceinturé. Et je te parlais même pas du tacle du Hugo, là. Parce qu'il est arrivé, ma parole, il est arrivé à environ à 88 km heure. Il te l'a découpé, je sais plus qui, je crois que c'est le petit Aké. Il te l'a ruiné. Carton jaune. Mais si c'est Strootman qui fait le même, gros, il prend 2 ans de prison ferme. Et là, lui, il a pris un carton jaune. Donc, à maintenant, l'arbitrage, voilà, au moins tu le sais que cette année, une fois de plus, quand tu vois que dans l'autre match, Lyon, deux pénaltys pour eux, hein, et que nous, on n'a même pas une demi-pénalty, on se fait aligner à coups de biscotte, tu as vite compris que cette année, les années vont se suivre et vont se ressembler. Oui, je sais, on est des Marseillais, on est des rageux, on est des Caliméros. Ferme-la, hein? Allez, ça là, c'est bon, c'est vraiment fini, je m'arrête, j'ai pas le temps, j'ai pizza, je te fais une bise, ciao, ciao.